Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler des formations professionnelles atypiques. Les chiffres nous prouvent qu'en matière des choix professionnels, on suit encore la norme. Les hommes sont majoritaires dans les métiers techniques ou de la construction, alors que les filles sont majoritaires dans les filières de santé sociale et des arts appliqués. Les idées préconçues qui accompagnent les métiers typiquement masculins ou typiquement féminins ne permettent pas aux filles et aux garçons de faire un choix en toute liberté, en négligeant parfois leurs capacités ou leurs préférences. Dans cette émission « Formation atypique », nous serons quelques témoignages des femmes et des hommes qui travaillent dans ce métier où l'autre sexe est majoritaire. Ils nous racontent comment ils sont faits pour contourner les stéréotypes liés au genre. Le but est de contribuer à casser les clichés et d'ouvrir l'esprit des jeunes à la possibilité d'exercer un métier dit atypique. Nous allons voir que l'école, la famille et les entreprises ont un rôle à jouer pour que ces choix professionnels soient faits en toute liberté. Vous êtes conductrice de bus pour les transports lausannois, c'est bien ça? Pour les transports publics lausannois, oui. Et depuis quand? Depuis exactement 14 ans, le mois de juillet prochain. Je suis italienne du sud d'Italie, je viens de Pouille, près de Lecce. Je suis en Suisse depuis 26 ans. Et combien de femmes sont aujourd'hui dans les transports lausannois? Nous sommes 52 femmes. Très bien. Sur 670 conducteurs. Est-ce qu'il y a 1400 auparavant, il y avait autant de femmes? Non, on était beaucoup moins. Beaucoup moins? Oui. C'était combien environ il y a 14 ans? À peu près une vingtaine. Mais... Une vingtaine. Vous avez vu l'arrivée en l'heure de plus de femmes dans les métiers? Oui, oui. Ça vous a plu? Oui, tout à fait. Bien sûr, ça montre que c'est un métier qui n'est pas réservé seulement aux gens masculins. Et comment est-ce que vous avez commencé dans ce métier? C'était par amour de ce métier, car mon papa était conducteur de car et de poids lourds. J'ai eu l'encouragement de papa, j'ai eu son... Oui, il vous a aidé à entrer à vous mettre en contact. Voilà, tout à fait, il m'a aidé et j'étais tout le temps auprès de lui. J'ai toujours dit, quand je serai grande, je ferai... tous les permis. Et qu'est-ce que faisait votre mère par contre? Ma maman était à la maison. Ah, très bien. Donc tu as dit plutôt je vais suivre mon père, oui. dans son métier. Au moment que vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure, on va dire, dans cette profession, et vos proches, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était étonné. Alors tout le monde était fier, je vous dis, tout le monde était fier, du papa, la maman, la sœurette, tout le monde. On sait que les transports publics restent quand même un métier qu'on dit typiquement masculin. La majorité sont des hommes. Comment est-ce que vous avez été accueillis en ces moments-là? Il faut penser qu'on a pris aussi quelque chose qui leur était réservé, mais on a aussi montré qu'on peut faire avec, qu'on est ensemble. Peut-être l'arrivée des femmes a donné à qui on discute d'autres choses, à qui on réfléchit d'autres choses. À... Oui, et qu'on voit la femme aussi autrement. On la voit en tant que capable, que collègue, que amie. Il y a aussi cette sensibilité féminine qui fait que on reçoit beaucoup plus. Si quelqu'un a un problème, on est un peu plus vers eux. On écoute mieux. Tous ces métiers qu'on dit typiquement masculins, comme c'est la conduction de bus, comme c'est également la construction des bâtiments, oui. On dit certainement qu'il peut toucher la féminité. Bien au contraire, on garde et on tient à que notre féminité soit visible. Hein, on ne la cache pas du tout, bien au contraire, je vous assure. Est-ce que vous aimeriez que cette profession devienne de plus en plus mixte? Oui, bien sûr. C'est marrant qu'il entre plus de femmes. Oui. Ça... Si un jour on serait moitié-moitié, ben, je serais bien contente. La mécanique aussi, vous touchez un peu? On touche à tout.
tous les problèmes, oui, bien sûr, on a une formation de A à Z. On doit être apte à résoudre, dans la mesure du possible et le plus brièvement possible, tout problème que nous avons, que ce soit mécanique ou que ce soit à bord ou à l'extérieur. Quels sont les obstacles à qui vous avez rencontré pour faire ce métier ? Aucun obstacle, mais il faut avoir un moral d'acier dans un gant de velours. Ça veut dire que on doit être bien présente et dire je suis là, j'existe, je fais le même métier, nous avons les mêmes connaissances, nous faisons le même travail, tout en étant souple, à l'échange, à l'écoute et à la communication. Et avec ça, on a fini cette petite interview parce qu'on va commencer les services sous la ligne numéro 7. D'accord, bien avec plaisir, on y va, je vous accompagne. Avec plaisir. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation, également experte en égalité hommes-femmes. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La mixité des hommes et des femmes » avec Corinne Chaponnière. Et c'est une bonne occasion justement pour en parler sur les formations atypiques. Donc tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est une formation atypique. Une formation atypique, c'est le fait pour une fille de choisir un métier plutôt masculin et pour un garçon de choisir un métier plutôt féminin. Quel est le comportement aujourd'hui des jeunes par rapport à ces choix des professions ? C'est un domaine qui change peu. C'est peut-être un des domaines où c'est le plus difficile de changer les choses. Les garçons continuent de choisir des professions assez stéréotypées masculines et les filles des professions féminines. Et l'embêtement de ça, c'est que le choix des professions masculines est beaucoup plus grand que le choix des professions féminines. Alors les garçons ont une beaucoup plus grande variété de métiers qu'ils peuvent choisir que les filles. Quelles sont les racines de ces comportements ? Ben vous savez, depuis que les enfants sont tout petits, on offre des poupées aux filles, on offre des constructions, des jeux de Lego et de construction aux garçons. Et tout ça se met en place de façon très naturelle, d'une certaine façon. Et c'est la force de ces stéréotypes qui fait qu'après, ça vient peu à l'idée d'aller choisir un métier qui n'est pas de son propre sexe. Quels sont les obstacles qui rencontrent les jeunes, autant les filles que les garçons, pour exercer un métier atypique ? Bon, d'abord, le premier obstacle, c'est qu'ils sont jeunes. Et que ils sont en période de puberté, c'est difficile pour un garçon comme pour une fille de contrevenir aux stéréotypes parce qu'ils sont à un âge où c'est important de plaire à l'autre sexe. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que rien dans leur culture d'avant les a entraînés à imaginer qu'ils pourraient choisir un métier de l'autre sexe. Garagiste, c'est pour les garçons, et maîtresse d'école, primaire ou enfantine, c'est pour les filles. Rien leur a permis de penser que ça pouvait être autrement. Et combien sont des filles dans ta formation ? 5. Et combien d'hommes environ ? Une quinzaine. 15 hommes et puis 5 filles, quand même. Ouais, il y en a de plus en plus. Mais c'est sûr. Et puis, ouais, maintenant en première année, elles sont 10 à peu près. Et au départ, qu'est-ce qu'a dit ton entourage ? Ma famille, mon père, il n'était pas trop d'accord que je fasse ce métier, mais... Pourquoi il n'était pas très partant au départ ? Parce que c'était un milieu d'hommes et puis qu'il ne voulait pas que j'aille dans un milieu d'hommes. Il pensait plutôt secrétaire. Un peu des métiers de femmes, mais maintenant ça joue bien. Il dit, moi c'était comme fille, c'était lui ce boulot-là, je suis d'accord, mais une fille c'est un peu difficile. Moi je voyais que depuis petite, elle était déjà une école de peinture, des ados, je voyais que ça. Alors j'ai dit, alors, à toi de faire, si tu veux ça comme ça, tu peux prendre. Ça pour nous, chez nous, c'est un travail d'homme. Donc, mais au début je dis, bon, elle va arrêter, peut-être 2-3 mois, alors on a... ras-le-bol, elle dit, ben, je ne vais plus, mais non,
Ça continuait une année, deux, troisième année, et elle est très contente. Par contre, Julien, il fait... employé de commerce. Et ben, ah, voilà. Et employé de commerce souvent sur les filles. Voilà. Merci un peu. Des fois. Les copines, des fois, ils me demandent « Ah, mais tes enfants, ils font pas ?» Je dis « Ben, il est peintre en bâtiment et l'autre, il est employé de commerce. »« Ah bon ? Garçon, peintre en bâtiment. » »« Non, non, la fille. » Vous êtes alors plutôt tranquille. Maintenant, oui, on est tranquille. Non, je pense même pas ça. Voilà. Parce que c'est normal. Parce que toujours avec le, comme ça. Habillé toute sale. Moi, je pense même pas qu'il fait la peinture parce que je suis habitué déjà. Ça fait 3 ans, je suis habitué. Et c'est un truc qu'on aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle part en chantant et elle rentre en chantant. Donc ça veut dire qu'elle est heureuse. Qu'elle aime bien son travail, donc ça m'a beaucoup rassurée. Hein. Comment est-ce qu'elle la relationne avec tes collègues? Autant pour mon patron, que ça joue très bien, que pour mes collègues, ça, on s'entend super bien. Je me suis jamais engueulée avec eux. Je pense que si j'étais vraiment dans un métier de femme, on s'engueulerait beaucoup plus. Je sais pas pourquoi, mais salon de coiffure et tout ça, je penserais qu'on s'engueulerait un peu plus. Mais là, ça va bien, ça joue bien. Est-ce que tu aimerais qu'il y ait plus de filles dans ton métier? Tu aimerais qu'il devienne plus mixte? Oui, ça serait pas mal, ouais. Ça reste un métier d'homme, mais ça pourrait faire partager aussi plein de filles qui pourraient venir, mais sans avoir peur. Une fois, j'ai eu un téléphone d'une fille qui avait peur de faire cette formation. Et puis, j'ai dû lui expliquer comme quoi que ben, il n'y avait pas de problème, que ça se féminisait beaucoup. On était 5, maintenant elles sont 10. Que ça va beaucoup mieux, quoi. Qu'il ne faut plus avoir peur. Hein. T'as le sentiment que tu dois travailler plus que les hommes pour montrer que tu es capable? Non, ça va. Au début, oui, on doit montrer qu'on doit travailler plus, mais je pense que c'est tous les apprentis la même chose. On doit se donner à fond pour travailler comme l'ouvrier, enfin essayer en tout cas. Et quelles sont les raisons qui t'ont motivé à faire justement ces professions? Les raisons, c'était que bah, j'aimais bien la peinture, j'ai toujours aimé dessiner depuis petite, donc après, c'est sûr que la peinture, ça m'aurait pas déplu. Après, c'était le stage qui a fait que j'ai aimé, en fait. Je suis fière. Maintenant, je peux dire voilà, je suis fière. Parce que ça permet... Pour moi, avant, c'était pas un métier pour femme. Voilà, c'est pas normal. Mais maintenant que je vois qu'elle est heureuse, je dis, mon Dieu, quand même, il m'a fait ça. Je dis, oh. Et ah, qu'est-ce qu'elle a fait à la maison? Tout le salon. Ben, la plupart du temps, les professions masculines sont des professions dans lesquelles on gagne plus. Ce qui fait que c'est déjà une question d'égalité quand les femmes vont aller dans des professions masculines. Et puis, c'est aussi, par rapport à l'égalité, qu'il y ait des hommes qui s'occupent, par exemple, de la petite enfance, pour reprendre l'exemple que je donnais, c'est aussi une question d'égalité que les enfants puissent bénéficier d'un encadrement qui ne soit pas uniquement féminin. C'est important, je pense, pour l'équilibre de la profession, d'une part, et aussi pour la revalorisation du métier. Dès le moment où les hommes entrent dans un métier féminin, le métier va se revaloriser. Et Madame Chaponnière, pour finir, vous pensez que la population en général est assez consciente que les métiers sont encore divisés par des stéréotypes liés au genre? Oui, je pense que la population est... enfin, pour elle, c'est naturel qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes. Et je pense que pour une jeune fille ou un jeune garçon qui se lance dans un métier atypique, ça reste encore une aventure. Merci beaucoup. Merci Madame Chaponnière. Quand tu t'es lancée dans cette aventure, tu étais consciente que tu allais quand même faire un métier dit typiquement féminin? C'était quelque chose qui me plaisait, que j'avais envie de faire, donc... Je ne suis pas occupé des préjugés négatifs, j'ai suivi l'envie qui me tenait et puis je me suis lancé. Qu'est-ce qui t'a plu le plus de ton métier? Ben, je pense le contact avec les enfants, on les voit évoluer, on les voit comprendre, partir dans des grandes discussions. Donc ouais, toute cette évolution, puis cette manière de vivre, de penser, ils sont tout tranquilles, ils vivent les choses comme ça, au jour le jour. Ils sont tout contents, puis de voir que quand on arrive le matin, qu'ils nous apprécient aussi, qu'ils sont contents de nous voir, ben ça c'est aussi une satisfaction. Quelles sont les raisons qui t'ont motivé justement à travailler dans la petite enfance? Alors j'ai une famille, on est une grande famille, et j'ai beaucoup de petits cousins et grandes cousines. Et c'est en fait ça, c'est ça en fait le déclencheur.
je dirais. J'ai aussi pas mal eu la chance avec ma mère qui a travaillé dans le babysitting. Elle a gardé beaucoup d'enfants. Et ça, en fait, ça m'a beaucoup aidé pour le contact avec les enfants, en fait. Justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui te plaît le plus de ton métier. C'est l'attache des enfants, en fait. On s'attache très vite, on se rend pas compte. Il suffit de une ou deux semaines et ça s'attache. Et après, l'affection, elle commence à grandir. T'as trouvé des difficultés pour entrer dans ces domaines, un peu de méfiance J'ai pas vraiment ressenti de difficultés de cet ordre-là. C'est peut-être plus moi, au début, qui me disais est-ce que les parents vont croire que je suis vraiment en place ou pas ici. Et le retour des parents ou des collègues n'a pas fait que ce soit difficile. Mais c'est vrai que je me souviens une fois d'une expérience en stage où j'avais ma référente qui me suivait quand j'étais à l'école. Et une autre collègue lui a demandé « Est-ce que maintenant, Nicolas, il peut faire des changes ou pas ?» après coup, je me disais « Mais pourquoi je ne pourrais pas faire des changes aussi ?» Et je pense que cette personne s'est tout d'un coup demandé par rapport au côté masculin, faire des changes, est-ce qu'il y arrive ou peut-être qu'il y avait autre chose derrière ce qu'elle voulait dire. Je ne sais pas. Alors là, je me suis dit « Tiens, mais sinon, je n'ai pas eu d'expérience autre où il y a eu ce ressenti un peu. Mais qu'est-ce qu'elle pense de moi, homme, dans cette profession ?» On sait très bien que l'enfant se développe au travers de modèles, que le modèle féminin est largement représenté, surtout dans la petite enfance, et que c'est d'autant plus important pour les enfants d'avoir des modèles masculins. Comment ça a été reçu autour des collègues féminins, des éducatrices, et aussi pour les parents? D'avoir des collègues masculins, eh bien, permet d'appréhender peut-être les problèmes, de partager peut-être des réflexions éducatives d'une façon différente. Maintenant, quant aux parents, il y a certains parents, effectivement, suivant l'âge des enfants concernés, qui peuvent être un petit peu surpris. Ça a tendance à s'atténuer. Au fur et à mesure des années qui passent, j'ai de moins en moins de parents qui viennent me voir à ce sujet-là. Nous avons actuellement 3 hommes qui travaillent à la crèche. J'espère qu'on va avoir de plus en plus d'hommes qui vont s'intéresser à cette formation, à ce travail, et qui puissent, par une première expérience en qualité d'aide, découvrir ce monde de l'enfance et après aller se former pour devenir éducateur de l'enfance. En tout cas, je le souhaite. Est-ce que les jeunes femmes choisissent encore des formations dites féminines et est-ce que les garçons choisissent encore des métiers dites masculins? Mais les élèves qui font des apprentissages, on voit que les filles elles choisissent parmi les 5 domaines classiques de la vente, de l'esthétique, des soins, relations aux autres, etc. Et puis que les garçons ont des choix plus ouverts, donc plus nombreux, mais qui vont vers la technique, l'industrie, la construction, l'extérieur, etc. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement pour casser les stéréotypes des métiers liés aux gens? C'est très compliqué. Je pense surtout que l'âge de l'adolescence, ce n'est pas la bonne période. Choisir une profession, c'est aussi en fait choisir un contexte de socialisation, un contexte dans lequel on va continuer à se socialiser, on va continuer à se grandir. Et puis en choisissant un contexte de socialisation, on est obligé d'obéir aux normes, on est obligé d'obéir aux règles du contexte. Et faire ça à l'adolescence, alors que le job principal de l'adolescent, c'est de passer de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Et puis quelque part, les questions d'orientation, elles sont plus imposées par les parents, imposées par nous, imposées par le système. Donc déjà, ce n'est pas une question qui, eux, je dirais, les occupent primordialement. C'est plutôt pas mal à ce passage de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et par là même, le passage de « je dois montrer que je deviens une femme » ou « je dois montrer que je deviens un homme ». Et puis montrer que je deviens une femme, si je suis femme et que je dois montrer que je deviens une femme et que je prends une profession qui est plutôt masculine, entre guillemets, je vais montrer quelque chose de contradictoire à mon entourage, quelque chose qui ne va pas ensemble. Parce que choisir une profession, c'est choisir l'image qui est la plus adéquate, la plus cohérente avec l'image que j'ai de moi-même. Donc le but, c'est d'apparier deux images, l'image de moi et l'image des professions. Imaginons un garçon qui fait maquilleur. Alors, stop. Dites-moi voir pourquoi ça va pas, d'après vous.
Parce qu'on dirait qu'ils sont voilà. Qui sont voilà quoi? Vous comprenez? Non, je ne comprends pas. J'aimerais bien que vous me disiez qui sont voilà quoi. Le maquilleur, ça fait un petit peu... voilà. Ça fait un peu homosexuel, voilà, c'est ça que vous voulez dire. D'accord. Et puis alors, une fille qui fait un métier vraiment très de mec, ce serait quoi? Machiniste. Manqué. Machiniste. Bon, alors, une fille qui fait machiniste, c'est un garçon manqué, automatiquement. C'est pas possible de faire autrement. Si tu viens chez moi à l'orientation chercher de la documentation, tu verras que tous les métiers, ils sont au féminin et au masculin. Tous les métiers sont pour les deux. Et donc, il faudrait plutôt agir avant. Donc, agir avant, ça veut dire agir dans les livres d'enfants. Puis mettre autant héros féminins que héros masculins. Arrêter de mettre maman ours avec son tablier et puis papa ours qui rentre avec sa mallette du travail. Enfin, des clichés comme ça. C'est aussi intervenir dans les livres scolaires, les manuels scolaires. Les problèmes de mathématiques, c'est marrant, mais c'est toujours maman qui... Les problèmes de règles de trois, la cuisine, c'est maman, mais quand il faut, quand il y a le robinet qui goûte ou je sais pas quoi, c'est toujours le papa qui est mis. Donc, ça paraît pas grand-chose, mais le fait de mettre un homme à la cuisine et puis une femme au robinet, ça pourrait peut-être aussi montrer gentiment que les hommes et les femmes peuvent intervertir leur rôle. Vous pensez que pour les générations futures, ça sera des formations de plus en plus mixtes? J'espère que oui, mais je crois vraiment que ce n'est pas si rapide qu'on pourrait l'espérer. Les mentalités doivent encore vraiment évoluer. C'est plusieurs vecteurs qu'on doit toucher. Voilà, aussi bien les journaux, la publicité, les livres pour enfants, les manuels scolaires, les enseignants. Il y a certaines mesures qui sont prises aussi, et par exemple les futurs en tout genre. Pouvez-vous nous parler un peu de ça? Alors c'est la possibilité, en tout cas au niveau du cycle d'orientation pour les filles, et depuis l'année passée aussi les garçons, de deuxième année du cycle d'orientation, donc des huitième années, d'aller une journée en entreprise dans un métier dit atypique. Donc dans le canton de Fribourg, il y a des filles qui ont pu aller à l'école d'ingénieurs et puis dans d'autres entreprises électroniques, informatiques, pour découvrir ces métiers-là. Et puis des garçons avaient la possibilité d'aller dans des crèches, si j'ai, dans l'accueil de la petite enfance, si j'ai bon souvenir. Donc l'idée de faire découvrir en une journée un métier plutôt réservé, habituellement exercé par l'autre sexe. L'intégration des femmes dans des métiers typiquement masculins et des hommes dans des métiers typiquement féminins est un exemple concret des changements de mentalité et de l'affermissement entre l'égalité entre femmes et hommes. N'oubliez pas de vous renseigner auprès des écoles pour la journée future en tout genre qui aura lieu le 10 novembre cette année. Pour toute autre information, vous pouvez visiter notre site internet www.alavistatv.net.
Merci pour votre fidélité. Comme toujours, on se retrouve le mois prochain. À la prochaine et à la vista. Tes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mes amis, ils étaient assez contents. Ils pensaient pas que j'allais faire ça du tout. Et puis d'ailleurs, quand je dis encore à des amis à moi qui savent pas que je fais ça, ils sont étonnés, ils sont là, mais c'est pas possible, tu fais pas peintre en bâtiment. Enfin, je suis complètement différente en dehors du travail, donc ils sont là, non, je te verrais pas faire ça. Puis en fait, bah oui, et puis des fois je les croise sur les chantiers, je suis là, ah, salut, ça va, tu fais ça toi. Voilà. Est-ce que ça n'a rien à voir avec la féminité des filles, hein? Les filles qui font de métiers dites masculins, qui font les chantiers, elles restent quand même féminines. Hein, c'est... Oui, exactement. Oui. Enfin, moi, en tout cas, en dehors, je suis toute une autre. Je change. Et puis, voilà quoi.